match press conference, like CONCACAF Gold Cup press conference from 80. Yeah, remember everybody to the rules of the press conference. Just one question, and we continue with the, and we are going to continue with the QR code that is in the wall to translate it if you need it. Okay. We want to start, coach, with a statement about the game. Bon, ok, le résultat est négatif, on a perdu, mais je pense que on a fait un très bon match, un très bon travail. Je veux mettre en valeur l'effort qu'ils ont fait les joueurs, parce que franchement, c'était pas facile du tout jouer contre une équipe comme le Mexique. Là, j'étais sûr après le premier match contre le Honduras, mais là, le deuxième match qu'ils ont joué, je pense qu'ils sont vraiment, vraiment favoris. C'est une équipe très, très forte. Mais nous, on a su être compétitifs. Je suis convaincu que ça a été très difficile pour le Mexique nous battre. On a su travailler ce match. Mais bon, malheureusement, on a reçu un but très tôt dans la deuxième mi-temps, très, très tôt. Et ça, c'est normal, ça oblige à ouvrir un petit peu les espaces. Et quand le Mexique a de l'espace suffisant pour attaquer, il te détruit. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont eu 2-3 contre-attaques. Et là, on a reçu les autres buts. Après, on a marqué ce but de Jean-Jacques Danley. On a eu cet espoir, non, pour essayer de faire match nul. Mais bon, c'était un match ouvert à partir de là. Donc, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je suis très fier de l'équipe. On est quand même dans un beau moment. On a fait un bon travail. Et on attend l'Honduras. C'est une finale et on peut la gagner. Je suis convaincu. Yes. Just how? What's your message to the team going forward for the upcoming match? The message for the team is very clear and simple. We have a chance. We have a big chance against Honduras. We did a very good job. We can be proud of the team. And if we make the same effort, we can beat Honduras and qualify to quarterfinal, I'm sure. Pierre Caleb. Salut coach, Caleb Jeffrey Pierre pour IT Tempo. On a vu que l'équipe avait un plan qui a plutôt fonctionné, mais ça a changé dès l'entame de la deuxième mi-temps. Comment pouvez-vous expliquer cela? Et ensuite, avez-vous des regrets après le résultat de ce match? Oui, le plan était ce qu'on a vu la première mi-temps, c'est clair. Être solide en défense, en bloc moitié de terrain, bloc bas. On a su très bien gérer cette situation de jeu où le Mexique avait beaucoup de temps le ballon. On a su de toute façon annuler complètement les espaces. Il n'y avait pas d'espace pour eux pour jouer. Donc, c'était très difficile pour attaquer. Donc, on a bien contrôlé le match, même si on n'avait pas la possession de la balle. Après, dans la deuxième mi-temps, ça a changé. Comme vous dites, oui, c'est vrai, ça a changé beaucoup parce qu'en fait, on a reçu ce but très, très tôt. Il y a une erreur individuelle, but. Et à partir de là, quand l'équipe perd, bah, c'est normal qu'elle essaye un peu d'attaquer. Donc, les espaces s'ouvrent. Et quand les espaces s'ouvrent, bah, le Mexique est très très dangereuse et ils ont profité ces espaces pour faire les contre-attaques. Ils nous ont marqué 2 buts. Voilà. One more question. How much does it affect playing in a stadium full of Mexican fans despite being in the US? How does it affect your team overall during the game? I didn't see any effect. My players had a big personality today. It's true that the fans were from Mexico, but my players were very focused on the game. It was a big performance, even if we play like away, no, not at home, but they showed a big personality. They play very well. They compete against the best team of the Gold Cup, probably. Yeah. Orlando Castellan. Gracias, buenas noches, profe Gabriel. Orlando Castellán, Servicio Informativo en Deportes. Si me la puede contestar en español, se lo agradecería mucho. Hoy, ¿qué lectura le puede dar a esta derrota que tuvo Haití, más allá de que el primer tiempo fue muy cerrado el partido? Pero en el segundo, ¿qué es lo que le pasó a su equipo? ¿Y qué tiene que mejorar este equipo de Haití para lo que viene el siguiente partido contra Honduras, donde se pueden jugar el pase a la siguiente ronda? Lo que pasó fue que recibimos un gol muy pronto,
en la segunda parte, ni bien al comenzar, y eso al final te obliga también a abrirte más, ¿no? Te obliga a atacar, a querer empatar. Los chicos fueron un poquito más alto, más arriba, con esas ganas de remontar el partido. Es lógico que pasen esas cosas. Y claro, eso, el riesgo que tiene es que se abren los espacios. Estábamos más largos, ¿no? Y claro, México, con la calidad que tienen sus jugadores, cuando tienen espacio, son letales, te matan. Y eso es lo que pasó, lamentablemente. Porque ahora estuve revisando los goles y estábamos alto, una presión alta, el equipo abierto, y pues recibimos esos goles. Pero bueno, yo, al margen de eso, estoy muy satisfecho con el trabajo. Creo que supieron trabajar muy bien el partido, supieron sufrir mucho, controlaron muy bien el partido sin balón, sobre todo la primera parte. Luego tuvimos ese 2-1 que estuvimos muy cerca del empate. Yo lo que siento es que México sufrió mucho. Estoy convencido que nos hemos hecho respetar, a pesar de haber jugado contra una selección muy superior en todos los sentidos, nos hemos hecho respetar gracias al esfuerzo de los futbolistas. Creo que han hecho un partido extraordinario, y aunque sea una derrota, tras una derrota muchas veces vienen las victorias, te refuerzan las derrotas, ¿no es cierto? Porque cuando ves que logras hacer sufrir a un candidato a campeón, logras hacer un buen partido, haces un buen trabajo contra un grande, eso te tiene que motivar. Te tiene que ayudar a sentirte fuerte, a sentirte buen equipo, y contra Honduras tiene que ser un estímulo. Esta derrota estoy convencido que nos va a estimular para la gran final contra Honduras. Gaby Joseph. Salut, coach. Gaby Joseph de Total Mix. Bonjour. Auparavant, vous avez dit que ça va aller match par match. Une défaite face au Mexique, le prochain match est pour dimanche face à Honduras. Est-ce qu'on doit espérer une qualification? Et avec quelle mentalité qu'on va aborder cette rencontre? La mentalité qu'on va avoir, c'est la même qu'on a eu ces deux matchs. Hein. Si vous voyez l'équipe, on voit une équipe vraiment ambitieuse, qui sait travailler avec ballon et sans ballon, qui sait souffrir, qui connaît ses qualités offensives. Et je pense qu'on va aller avec une mentalité ambitieuse, parce que pour nous, c'est une finale. Donc, même si on a eu une défaite aujourd'hui, je pense que ça peut nous renforcer parce qu'on a eu une défaite digne, non, contre probablement la meilleure équipe de ce tournoi. Je pense que les joueurs peuvent être fiers d'eux-mêmes parce que moi, je suis vraiment fier d'eux, de l'effort, et que Mexique a souffert beaucoup hein, pour nous gagner. Faut être conscient de ça aussi, faut le reconnaître. Donc, je pense qu'on arrive dans un beau moment et voilà, on va travailler pour battre l'Honduras parce qu'on pense que c'est possible. Thank you, Coach Gabriel Calderon, for being part of the CONCACAF Gold Cup press conference from 80. Thank you. Merci.